Un attentat a été déjoué de manière fortuite dimanche avec un homme qui projetait de s'attaquer à une église. Est-ce que le gouvernement a bien géré cette affaire? Et est-ce qu'il n'y a pas, comme le disent certains responsables de droite, une volonté de dramatisation de la menace terroriste pour faire voter le projet de loi sur le renseignement? Non, le projet de loi sur le renseignement, il sera voté et indépendamment de cela. En tout cas, je ne voterai pas contre. Donc vous abstiendrez? Non. J'ai pas pris ma décision, mais je voterai pas contre. Il y a un point qui moi. Contre. Non, mais il y a si abstention pour. Voilà, mais c'est pas le plus important. Il y a moi un point qui m'avait gêné depuis le début, c'est le champ d'application de ce projet de loi, parce qu'il concerne un champ très large et pas justement seulement la lutte contre le terrorisme, y compris ce qui peut relever de violences publiques, ce qui peut relever de la protection d'intérêts économiques stratégiques ou scientifiques. Qui décide qu'un intérêt économique est stratégique? Cette question-là, qui avait été soulevée par le juge antiterroriste Marc Trévidic notamment, est un point qui, à mon avis, suscite toujours chez moi de la réserve. Mais je ne m'opposerai pas à ce texte. D'accord. Oui, je sais, mais je voterai pas contre cette loi. Pas la peine de m'expliquer, non, je ne m'opposerai pas. Oui, je sais, je sais très bien où ça nous mène. Nos libertés sont menacées, mais j'ai renoncé aux miennes. Inutile de crier comme ça, inutile de vous fatiguer, inutile de voter pour moi, je suis socialiste résigné. Socialiste résigné. Oui, je sais, je me contredis, je vois pas où est le problème. Que voulez-vous, c'est la vie, faut bien que je gagne la mienne. Oui, je sais, mais c'est comme pour la TVA. J'avais promis qu'au grand jamais, et finalement voilà. Inutile de crier comme ça, inutile de vous fatiguer, inutile de voter pour moi, je suis socialiste résigné. Socialiste résigné. Oui, je sais, la surveillance, les écoutes et les boîtes noires, c'est pas génial quand j'y pense, mais j'ai besoin de m'asseoir. Oui, je sais, bien sûr, c'est un texte totalitaire, digne des pires dictatures, qu'est-ce que je peux bien y faire? Inutile de crier comme ça, inutile de vous fatiguer, inutile de voter pour moi, je suis socialiste résigné. Socialiste résigné. Vous avez tort de vous moquer, je parie que c'est à mon courant que tous les autres vont se rallier, bientôt je serai président. Mais si c'est mieux pour mon image, je pourrais peut-être m'abstenir. Ça change rien, c'est l'avantage, je vais y réfléchir. Et si c'est mieux pour mon image, je pourrais peut-être m'abstenir. Ça change rien, c'est l'avantage, je vais y réfléchir.